Hello la VOD, on va faire le premier boss. J'ai chassé pendant 3 heures. Donc vous avez pas manqué grand chose depuis que j'ai coupé. Fin d'invocation. Ok, et eh ben je suis prête. Ok, bah tiens, à toi l'honneur. J'aimerais ouais. Je te file ça. M'a donné ? Et ici, lis la pierre, ce qui a marqué. Toi. Chasser les siens. Oh, des chiens ? Les siens ? Bah, je crois que tu l'as déjà fait. Tu as déjà chassé les siens. 1 à 8, offrir objet. 1 à 8 ? Alors, 1 à 8, c'est tes casques que tu mets en haut. Donc, tu le mets dans, je sais pas, dans un trou. Bah, dans le 8, faut que tu le mettes. Ouvre ton inventaire et mets les têtes de cerf dans la case 8. Ah, c'est têtes de cerf ? Ok. Oh, tu mets dans le case 2 et t'appuies sur 2. Ah, c'est tremble ! Il va pas passer cette touche. Bah, en fait, je me vois mal. Je me voyais dans la lumière. Oh, la musique ! C'est parti. Allez, tapez-le. Attends, c'est pour une miniature, je fais un truc stylé. Ah, mais il y a des cailloux. Ah, il est de dos, ça fera une jolie miniature. Bah, je tire dans le cul. Allez, dans le cul. Pour l'instant, il est sur moi, vous êtes bien. Allez, je vais me mettre à côté. Miniature, miniature. Il a mis un 20 000. Trop classe. Ok, c'est bon. J'arrête mes conneries. Hop là. Ouais. Et tire. Je tire dessus là. Il a la moitié de vie. Dommage, la musique est basse. Il va sur toi. On a bientôt fait. Il manque encore quelques flèches. Ouh. Il est coincé. Et c'est fini. Okay. Ah, GG. GG. Bravo. Hop là. Yes, on est le premier boss. Vas-y, prends tout. Oh, bois dur, pioche. D'accord. Et je peux le temps de lire. Il faudrait que tu nous... Bah regarde. Je vous donne. Un trophée, un bois dur. Bah non, vas-y. J'ai un trophée. Faut que tu donnes, faut qu'on partage. Et... Alors attends, voilà, j'ai eu ça, donc je vous le donne. Bois dur, donc je vous le donne. Il y avait un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Je crois que dans mon inventaire, je vois rien d'autre de nouveau, donc je crois que c'était un plan. Yes. Bah les bois non on en a genre un chacun. Le trophée je te le rebalance. Tu l'as balancé à ma cabane ? Et le bois, je voulais essayer. Tu l'as le eu bois tiens. Tu l'as non. eu Il est pas parti okay. Au bon endroit. Ouais mais c'est pas grave. Vous l'avez tous eu le trophée ? Je vais vous en donner un chacun. Oui mais je oui. Mais attends, je vais vous donner un chacun okay. Le bois. Je pense que. Je suis pas sûr, mais on va le réinvoquer. Tiens, viens avec moi. On va au trait. Y'a le Corbac. Ouais, bah justement, parlez-lui. Bravo! Il te dit ce qu'il faut faire. Ah, j'avoue que Nelly disait que j'avais pas vu un nez de clown sur ton émote. J'avoue que j'avais pas vu. Un dommage au sacrifiant. Ouais, je suis la sacrifiante! Martien. Faut que Lox vienne. Parce que bah, je suis là en fait. Juste que bah, oui, je... Et on a une barre tendue quoi. Je sais. J'apporte des nouvelles. Attends, il me saoule lui. Voilà. Vas-y. Merci. Bah, il nous a dit. Il nous a dit de foutre le bordel là-dessus. Ah ouais, non. Bah, je peux en faire en fait là. Là. Regarde tout autour de toi.
Nos voix sont des branches de fer. Une fente de la montagne fissure les rochers. Les sabots résonnent comme le tonnerre. Sa voix est une tornade déchaînée. Voilà. J'ai lu. Mets ton curseur au niveau du petit crochet. Ah, crochet! Ah oui, d'accord! J'avais pas vu du tout qu'il y avait un crochet. Alors. Waouh! Du coup, maintenant, je vais lire ce que ça fait. Et vous pouvez le prendre en. Évidemment, il y a le pigeon qui viendra vous faire chier. Votre aptitude à courir, à sauter est améliorée. Coup d'endurance du saut moins 60%. Coup d'endurance de la course moins 60%. On a un buff donc. Alors, c'est un buff uniquement si tu l'actives. Donc en bas à gauche, tu vois marqué prêt. Ouais. Alors, ce buff là, c'est un truc qui est bien. C'est que c'est un buff de groupe. Donc si t'es à côté de tes potes, tu vas le donner à tes potes. Le cooldown est de 15 minutes et le temps est moindre. Donc ça veut dire qu'on peut être constamment sous buff si on est. Alors, je vais vous le faire du coup. D'à côté, hop. Vous appuyez sur F et vous voyez, vous l'avez pendant 5 minutes, mais vous avez encore votre cooldown, tu vois. Alors, si j'appuie sur F, ça va l'activer. Ça va l'activer et du coup, tu vas perdre ton cooldown. Enfin, je vais pas garde-le faire, pour plus tard. Si vous appuyez sur F. C'est 20 minutes pour 5 minutes de buff. Et là, on peut courir comme des dératés. Ouais, on range nos armes, juste rangez vos armes et courez comme des dératés. Et là, on a vraiment un buff. Oh, waouh! Venez les combats, les copains, on fait une course d'orientation. Yes. Ça vous dit d'en tuer un autre, Nectir? Ouais, pourquoi faire? Pour avoir des compos? Pour avoir plus de cornes. Bah oui, toujours, bah là on y va. Il est là, retourne, il est là. Ah oui, d'accord. Là. Attends, je mange un petit truc. Mettez-vous full buff pour le truc. Eh, ça c'est pas grave ça. Ça tremble comme ça là. Tu peux enlever. Ah, je vais l'enlever, je pense. Il a pop sur moi, j'ai mis 2-3 coups de tatane. Moi aussi, j'étais en train de tataner au lieu de tirer dessus. Vous l'avez là? Ouais. Attends, si je le tatane à main nue. Ah, c'est pas fou. J'ai pas encore assez. J'ai pas encore assez. Où c'est la faute? On pousse méga loin. Aïe, ça pique pas. Heureusement que la bouffe elle est costaud, elle fait des gros tics. Hein. C'est loupé, mon pote. T'es arrivé, vous le touchez là? Ouais, ouais, bah. C'est juste que ça met du temps à charger. Bon, il nous fait du bois. C'est cool ça. Par contre, là, j'arrive plus à le viser. Ah, j'ai visé des. J'ai visé des branches. Je le troll un peu. Il va me faire tomber un arbre sur moi. Oh, il a pris un arbre dans la gueule, il a pris trop cher. Tu veux le finir? Parfait. Ouais! Du coup, voilà. Quand on est bien buff, ça pose absolument pas de soucis. Ouais, c'est plus simple au niveau de. Voilà. De l'endu bon, bah, quand même. On en a 6. Du coup, on peut fabriquer un autre truc. Vous avez débloqué un nouveau craft. On ah bon? Donc sur... Ouais, si on retourne à la maison, normalement, vous avez débloqué un nouveau craft. Et qu'on va là. Pourquoi le battre deux fois? Il a une âme, le boss! Ouais, ça. On aurait pu le boxer au moins. Tu German, tu bloques. Et en plus, on était sous buff hier, donc on prenait moins. On était sur son propre buff. Ouais. Un peu de la triche. C'est la gueule avec sa propre truc. Vous prenez 10 de bois sur vous. Pourquoi faire? Ouais, ouais. Je ramasse le bois que je vois là. Non, mais il y en a à la maison. Ah! Vous ne vous sentez plus reposé. Ouais, c'est normal. Je te file ça, Seth.
Hop, je prends des petits galets. Et ton craft. Regardez cette maison, comme elle est jolie. Coucou. Tiens, pioche en bois de serre. Ouais, voilà. Ah. Ah, t'as compris maintenant, en fait. Tiens, voilà, c'est. Drapeau. Ah. On va aller casser du caillou. Ah, voilà. Bon. Eh, vas-y. Ici, là, tu vas sur l'établi. Et normalement, t'as un nouveau craft qui s'est mis. Je peux faire un casque en cuir. Non. Mais fais-le pour. J'ai pas assez de bois. Pour le truc, il me faut un de bois. Tiens, je t'en donne. Merci. Vas-y. Pour fissurer les roches. Ok. Attendez, je dois ranger des trucs moi. Œil. Donc la prochaine étape, c'est. Le casse du caillou. La forêt noire. Ah, cool! Oh, tu t'emmerdes beaucoup. Ouais, mais elle me gêne celle-là. Fais attention à ne pas taper le sol parce que sinon tu vas creuser. Quoi ça? Un crâne de hêtre? Ah oui. Précis dans tes. Précis, non? Parfait. Voilà. Ah, bah il me faut une. Celle-là est gênée. Ouais, bah c'est pas grave. Tu peux laisser les autres, mais c'est vrai que celle-là est gênée. Forêt noire. Attends, je pose mes cuirs et tout parce que j'en ai quand même. Ah bah y a pas de soucis. Vous allez explorer la forêt noire. Moi je connais. Oui, non mais attends, si vous vouliez vous faire peut-être des trucs et tout, vous êtes un peu à walp. Moi j'ai un pantalon et un haut. On est tous à peu près bien, c'est juste qu'il nous manque comme d'habitude des cuirs et des peaux. Mais oh, toi t'as déjà un casque et tout. Je vais aller chercher. Mais fais-toi un casque, c'est juste avec des cuirs. Tout le monde. Mais oui, faire. Mais je dépose pour que vous puissiez faire d'abord. Il y a encore des peaux en dans les cuirs. Que non, gentille personne. D'accord. Okay. Dans peau, c'est là où il y a les. Même ZT4, merci beaucoup. Même ZT4, je dis C4. Ah bon, vous faire un. Merci, un c'est gentil, comment ça va? En cuir, du coup. Bonsoir, un Zelux, mais donc bonsoir, ce soit Sébastien. Le pantalon, merci beaucoup pour la le tunique. Ouais. Attendez, je suis mute là. Le pantalon, la tunique, vous le moi j'ai déjà, je veux faire le casque. Bah fait, vas-y. T'as des trucs en cuir. Il m'en faut combien hein? Bon, je prends tout et je repose le reste. Ouais, voilà, bien sûr. Ah, t'as déjà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir, comment ça va par ici? Comment allez-vous dans cette belle journée? Eh ben, plutôt très bien. Je découvre Valheim avec des poteaux. Et bon, eux connaissent, enfin, l'un d'eux, Royal connaît déjà. Et ma cabane qui est avec moi aussi a déjà un tout petit peu joué. Mais on est quand même sur une sorte de découverte. Et on vient d'abattre le premier boss et c'est cool. Vous étiez sur quoi? Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Hop! Petit follow. C'est fait. Tout simplement. Preux. Et ça marche avec tous les types de boucliers. Alors je te conseille pas de prendre la porte de placard, mais le petit la plus targe ronde quand même. La porte de placard, elle est ouais. Je déteste la lampe. Oh c'est bon. Ok hein. Moi je suis prête. Si vous voulez, je peux faire le buff. Alors. Est-ce qu'il. Soit on se fait un buff. Vous êtes tous en confort 12 là? Vous êtes tous 12 minutes là de confort. 10. Tu t'es mis ici là? Sur la peau. Reste sur la peau jusqu'à ce que t'es doux. Ça fait que baisser, hein. Mais attends. Sois patient. Ça fait que baisser, hein. Non, mais ça me met que je suis en repos 5. Ah, ça y est, 12 minutes. C'est bizarre. Ok, ah, hein. Faut que je me fasse une torche. Je me fais une torche. Je me suis fait une torche. Prenez quand même. Let's go. Quoi? Prenez quand même de quoi. J'ai ta bouffe, je sais pas moi. Si on en a bouffe beaucoup. Si, je sais on en a. Fait... Pour en faire cuire. Mais voilà. Et moi j'en ai sur moi. Et dans le truc bouffe, j'en ai mis. Donc vous pouvez, entre guillemets. Bon, moi j'ai exploré la forêt noire. Vous voulez le buff? Yes. Ouais, bah on va y aller. On fait le buff?
Bah ouais. On fait le cri, crac, on passe à l'attaque. Rara, c'est nous qu'on gagnera. Yo, c'est yo, à nous le mago. Allez, vas-y, yo, fais yo, de fort, boy. Yo. Allez, c'est parti. Oui. Et en plus, on a le en forme. Ah, il me parle, lui. Oui, on sort. On doit être 4... On doit faire le 4ème boss aujourd'hui. Ok. 4ème boss de quoi, de Valheim? Dans Valheim, ouais. Oui, oui, j'ai eu un raid de... de Mademoiselle 4. Qui connaît? Qui joue à Valheim? Bon, et du coup, vous étiez sur 4ème boss. Ah ouais, nous, on est vraiment en mode... de... Ah, tout début de bébou, tu vois. Regorge de minerais et tout, ok. Du coup, on vient de faire le point de boss, oui. On va pouvoir explorer un peu plus. Chiant, il est un peu chiant, 4ème boss. Aujourd'hui, j'étais en gameplay maçon. Bon. Ouais, bah oui, tu farmes, bah oui, forcément. Bon, bah elle est là. La petite develop. Allez, 3 premiers épisodes en VF. J'ai rien compris, Sébastien, mais je pense qu'elle cheat pas. Et ben moi je connais pas, j'avais un tout petit peu joué au jeu à sa sortie il y a très longtemps, tout petit peu, mais j'étais allé bah sûrement, j'avais moins fait de trucs que maintenant. Ou quoi que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai compris des choses, c'est ça. Et j'ai chassé au point. Mais je chasse bien au point. Yes. Vous êtes dans le coin? Moi je suis avec ma cabane, il est dans sa cabane. Ah bah c'est ce qu'il y a dans le coffre. Ah il y avait un coffre? Ouais. Il y avait des flèches. Alors à plusieurs c'est vraiment ridicule les ningueries à plusieurs, c'est... Ils arrêtent pas de tressaillir là. Ouais, c'est vrai qu'on... Ok, lui par contre... Lui il va être plus chiant. Un peu plus costaud. Ouais, c'est bon, on l'a fait. Ouais, ouais. Les... Oh, de la dégobibée! Super! Jamais, jamais j'utilise ce truc. Là, je peux faire un E. Attends, mais c'est une ruine ici. Mais sinon. Il y a un coffre. Mais oui, il y a un coffre. Il y a de la thune à l'intérieur. De la thune. Mais c'est encore la thune? Ah, la thune, c'est pour plus tard. D'accord. Je le pas. Ouais, ouais, d'accord, ça va, ça va. Ça va, ça va. Allez, petite torche. Oh, mais on va avoir froid. Alors, ça, j'aime pas ça, par contre. Je vais regarder vite fait. Approchez-vous pas. Ok, on va longer plus de ce côté-là. Venez en bas, venez en bas, venez en bas, venez en bas, venez en bas. Ok. Voyez-vous ce que je vois, mes amis? Animé sur Crunchyroll, rien à voir avec Valheim. D'accord, nous bah effectivement c'est pas facile à suivre pour moi. Dessus. Un dépôt de cuivre. Ah ok, et là faut farmer. Alors. Sachez que les dépôts de cuivre sont des espèces de dômes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez creuser vraiment loin vers le bas. Ah, par contre on est la nuit, c'est ça? On va se faire... ouais, on va se faire attaquer par les nagas parce qu'on est là. T'inquiète, au défus. Et vous pouvez creuser très très profond. On a froid. Ça doit pas être terrible d'avoir froid. Non, c'est pas très grave. C'est juste la régène qui se fait pas. Ah bah c'est un peu chiant. Pas très très grave. Alors... Donc, pas hésiter à creuser. Évidemment. Évidemment, nous sommes la nuit. On ouais. Va lui attendre le matin. Ça vous dit d'aller gentiment retourner à la... Tu veux pas qu'on finisse au moins ce... Ça va être long, c'est ça? Ça va être très long et très très long. On le marque peut-être? Oui, marquez-le sur votre carte et on y revient direct. Ok. Le petit ping, je vais mettre quoi? Ça. Je peux le mettre ou pas? Faut que je le déplace? Je mets un repère, mais... Ah, voilà. Tu mets un petit rond, tu fais un double clic, et tu mets... Mais ouais, mais je vois pas parce qu'on est dessus, alors je me rends pas compte si ouais, c'est... Ouais, mais ça va le mettre. On va dire que c'est ok. On retravaille vous la tombée. Vous allez gentiment... Oui, vous allez... venez.
Vous allez gentiment éviter les zones où il y a du gelé. J'apporte des nouvelles tout à l'heure, l'oiseau. Quoi, tu vas me dire qu'en tapant avec une pioche, je peux miner, c'est ça? Merci. Merci, je m'en suis rendu compte. Tu as un peu de retard. Tu viens de découvrir un filon de cuivre. Nox, tu veux que des animés, toi? Pas des masses, non. En ce moment, je regarde un peu Vinland. Seb, t'as ton cri ou t'as pas ton cri? Non. Mais là, je suis au moment où c'est plus en VF. Et la VF étant incroyablement quali, bah, j'ai pas envie de m'en passer. Donc voilà. Et sinon, quelques classiques au niveau animé, mais c'est peut-être parce que les gens me survendent les trucs, mais je suis souvent déçu. Donc voilà. Genre Hunter x Hunter, c'est pas un mauvais anime, pas du tout. Mais j'ai pas du tout autant kiffé que toutes les personnes qui m'en avaient parlé apparemment. Grimland que tu look, Vinland. Watch plus que look. Ouais, effectivement. Ça... Bon, c'est pas être grammar nazi, Nelizak. C'est plutôt avoir la bonne traduction. Pour le coup. Ce qui est pas déconnant. Bien raison, on a chance d'avoir des bons doubleurs chez nous. On a des doubleurs exceptionnels. Des doubleurs et des doubleuses exceptionnelles. Et vraiment, Vinland, qui est sorti là récemment sur Netflix, il y a à peu près le top du top du top des doubleurs. Donc voilà. Donc vraiment, c'est très agréable. Hop là. Donc. Cri, crac, on passe à l'attaque. Je vais peut-être me réparer vite fait. Même si ça va... Voilà. Mettez réparer. Et mettez surtout dans le coffre les... Même dans le coffre à bordel, entre guillemets. Attends, je cuisine un petit peu pour qu'on ait des trucs de côté. Où est-ce que tu veux qu'on mette le minerai de cuivre? Ah ouais, justement, mets-le dans le merdier. Dans le merdier? Ok. Il faudra de quoi le faire cuire et on n'a pas de quoi le faire cuire. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une petite croix alors. Ah non, ne peut-être alors, téléporter. Alors la petite croix, voilà. C'est ne peut-être téléporter. Oui. Mais... Mais tu t'es arrangé pour que si quand même. On est en facile, en facile easy mode. En donc, mode logique surtout voilà. Quoi. Bah non, en fait tu dois te faire chier à faire le chemin de retour. Oui. À coup de bah quitte à avoir un téléporteur, hein. Je veux dire, voilà. Dans ce cas-là tu mets pas des téléporteurs dans ton jeu, je trouve. Ouais, les téléporteurs c'est vraiment pour aller à un point B et revenir. Mais si tu te sers genre d'un téléporteur H24, ça peut être considéré comme un peu de la triche. Mais bon. Oh. Pas très très grave. Normalement, on va pouvoir les passer à travers les portes. Une fonderie. Ok. On fera le cri. On le fait peut-être maintenant. Ouais. Bah non, il reste 2 minutes. Ah non. Il reste 2 minutes pour moi. Ah ouais? Comment ça se fait? Tu l'as, toi? Il est ready? Là. Ah, il reste 2 minutes. Ah oui, pardon. Oui, d'accord. Moi, il me reste 10 minutes, ouais. Je croyais que t'avais encore 2 minutes de buff, j'étais là, mais comment est-ce possible donc, dis donc? Qu'est-ce que c'est ça? Bon bah on va vers notre truc. Comme les nains qui voient la nuit. Oh, c'est Space Family que j'attendais la fin en VF, parce que j'adorais les doublages. Mais oui, c'est ça le truc! C'est terrible quand t'as des doublages super quali, et puis qu'après, tout d'un coup tu dois passer en VO, voilà, quand c'est... C'est trop dur. Bah oui, comme Vinland, c'est ce que je disais. Je disais qu'on regardait ça en ce moment, mais que bon, bah, vu que là on a plus. Là, au stade où on en est, c'est plus doublé, bah voilà quoi, envie d'attendre. Ah, y'a un copain.
Perso, je supporte pas la VF. Mais ça a pas de sens. Ça. Vraiment, pour tout ce qui anime, ça a pas de sens. Pour tout ce qui est cartoon, ça a pas de sens non plus. Tout ce qui est dessin animé ou jeu vidéo, ça a pas de sens de dire je supporte pas la VF. Ça a aucun sens. Ah, il y en a un autre ici, visiblement. Oui. Et il y a un coffre dans la ruine. Go prendre le coffre. Vous allez trouver des espèces de petites monnaies et tout ça. Ça, je c'est. Prends ouais, bien sûr, faut les ramener ça. Ok, j'ai eu des piastres et de l'ambre. Ah oui, mince, on est sur un gros caillou. Carrément. Alors, vous allez remarquer que vous allez parfois faire plus de dommages si vous êtes au-dessus du minerai que si vous tapez sur le côté de celui-ci. Mais putain! Et voilà, faut, si possible, être toujours au-dessus du minerai, sinon vous allez faire moins de dommages. Si vous voyez deux chiffres, c'est que vous tapez deux zones à la fois, donc ça à peu près divise par deux les dégâts que vous allez faire. Évidemment, coup, les, aussi, mais quand tu commences les dégâts en VF, que vous allez c'est dur faire, de passer à la VO. Dépend... Mais oui, et puis bah en soi, quand c'est de l'anime et tout, vraiment, ça a pas, y a pas de raison. Quelle saison, quel épisode? Bon, saison 2, mais quel épisode, je saurais pas dire. Ok, je corrige. Je suis très très attaché aux œuvres en VO. Ouais, mais encore une fois, ça a pas vraiment de sens. Quand c'est, encore une fois, quand c'est du côté, on va dire de l'animation, etc. Parce que déjà, VO, bah, dans plein de cas, ce sera pas forcément juste. Ce sera juste que, bah voilà, ça a été doublé parce qu'il faut bien... Ou bien doublé, mais ce sera pas forcément plus juste que les adaptations, et parfois c'est même moins juste. Et en plus, je trouve que avoir une œuvre dans une avoir une œuvre qui s'adapte à ta qui adapte et tout ça, ben je trouve que ça, quand c'est très bien fait, bien sûr, et généralement chez nous c'est bien fait, mais ça rajoute même typiquement dans South Park, ça va rajouter de l'humour à des endroits où il y en a même pas, parce que bah ils font ça d'une manière tellement parfaite, tellement juste. Qu'ils arrivent même à donner à la version originale quelque chose qu'elle n'a pas. Donc j'avoue que pour moi c'est... Je sais pas. C'est souvent... C'est un purisme un peu basique. Bien sûr, il y a plein d'œuvres où tout est quali. Par exemple un Disney. Un Disney, bah le y aura voilà, ce sera très très bien fait. Chaque adaptation sera pensée de la même manière, chaque voix et tout ça. Et en général, bah c'est tout est fait en même temps, on va dire. Enfin, il y a pas. Il n'y a pas de version délaissée ou quoi que ce soit. Donc là, ça vaut même complètement le coup de le voir dans sa version qui a été faite pour ta culture et tout ça. Mais en dehors de ça, ouais, je trouve que dans tellement d'œuvres, ça apporte quelque chose en fait. Il n'y a aucun problème avec quelqu'un qui écoute une autre voix. Bah, j'espère que t'as pas de problème. Non, puriste, ça veut pas dire que t'as des problèmes avec... avec les autres gens. Puriste, c'est ta propre consommation. Là, pour le coup, c'est que tu deviens autoritaire. Si t'as des problèmes avec les gens qui ne consomment pas exactement ce que tu consommes, là, c'est pas du purisme. C'est souvent être très égocentrique, j'ai envie de dire. Après, ne pas comprendre, c'est différent. C'est mon cas, par exemple. Mais si, du coup, quand c'est par pur principe, c'est être puriste. Quand c'est... Mais c'est pas... Voilà, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, il y a des gens qui disent « Ouais, non, moi, je... J'ai une approche assez puriste de toutes les œuvres, et dans ce cas-là, bah voilà, ce serait pareil pour... Ça va être pareil aussi pour le côté littéraire, où les personnes reliront jamais des versions traduites et vont lire les versions originales, etc. Voilà, des... Il y a...
Et c'est voilà, se revendiquer après, c'est pas un souci quoi. J'ai un peu la pression que j'en ai du terme puriste des gens qui crachent sur ceux qui font autrement. Ah non, non, c'est être un connard. En fait, de critiquer quelqu'un parce qu'il est... Ne pas comprendre et débattre, ça c'est différent. Mais critiquer quelqu'un parce qu'il ne fait, il ne consomme pas des produits de culture de la même manière que vous, c'est être un connard, juste. Rien à voir avec le fait d'être puriste. Et enfin, critiquer, on va dire... Reprocher à quelqu'un de le faire, c'est plus ça. La critique peut être objective, mais non, non. Ça, effectivement... Effectivement, c'est juste... ouais. C'est juste être un con, hein, quand tu dis aux gens « Quoi ? Tu fais ça comme ça, mais espèce de loser !» C'est... non, ça c'est... ok, faut que je répare tout, moi. Ça va être compliqué, faudrait peut-être qu'on a un établi pas loin, non ? Ouais, on va se faire un établi couvert à côté, mais... On va être limité par la place qu'on peut transporter après, au niveau poids, parce que le minerai, c'est très très ouais, lourd. Ça devait être épisode 12 facile, si ouais, Sébastien. Mais un stack de minerai de 30, c'est 300 kilos, c'est exactement ce que tu peux porter. Ah, d'accord. Donc du coup, ça va être là, chiant, ce qu'on va faire, non, c'est que je te file une pioche, toi, je t'en file une aussi. Tu l'as eu, ça ? Oui. On a deux pioches chacun. Et et bien, bien vider vos pierres aussi, parce que c'est bien lourd les pierres. Ouais, d'accord, d'accord. Alors bien lourd, bien lourd. Et si on a de la place, les j'ai pierres, de quoi nous faire un établi. À la limite, on coupe 2-3 bois à côté et on se fait un truc sympa, quoi. On est reparti. Des bisous, Kat, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup pour le raid. Et désolé, j'ai pas fait de slash ou tout. Je le fais tout de suite, excusez-moi. N'hésitez pas à passer la voir. Elle fait du... C'est parti. Une petite seconde. Elle fait 30. du valet à un niveau bien plus avancé que moi. J'ai le mien. Ah, bien. Et je sais pas, je suis en QWERTY ? Mais lui, on y va. Ah putain ! Il fait ses trucs. De streamer. Voilà. Slash ou tout. Vas-y, mais lui, ça va aller vrai. C'est bon. Oh, excusez-moi, ouais, je voulais faire un petit dédicace à la personne qui m'arrête quand même, j'avais pas fait. Bah non, pas de soucis, mais y'a pas de problème. On t'a mis le buff, donc tu reviens quand tu veux. C'est bon, je vous suis, je vous suis. Évidemment, Edic. Je fais du saut de haie et du saut de tronc. Tu bouffes ton endurance. La fève de Ken, ouais. Le survivant qui est emblématique. Oui, après, il y avait ce côté-là aussi. Mais moi, bon, ça, c'est tous des trucs que j'ai pas vus. C'était pas trop ma génération. Tous ces trucs-là, avec les DVF complètement what the fuck. Pour un peu atténuer le côté violent qu'il pouvait y avoir, côté très adulte qui pouvait ressortir de ces animes-là. Alors, mamute. D'ailleurs, pour vous, le terme... oui, c'est ça. Pour vous, le terme anime, genre, c'est juste ou pas ? Parce que là, je parle à des gens qui quand même, ont l'air de consommer pas mal d'animes et tout ça. En vrai, le terme manga, basiquement, il veut pas dire moins de choses que le terme anime. Je veux dire, quand tu parles du fait de regarder une version animée d'un manga. J'ai l'impression que t'es en train de blasphémer, mais... Mais non, en fait, c'est que, basiquement, le mot anime, il est pas juste. Mais bon, au moins, on sait de quoi on parle. Alors que manga, à la base, c'est le bouquin. Mais du coup, j'ai l'impression, quand je l'utilise, que c'est pas juste. C'est pas le bon terme. Mais que c'est mieux que de dire manga, quand même. J'ai regardé tous les Disney récents en VO. Le Roi Lion, Roxy Rookie, je pourrais jamais. j'ai jamais regardé un Disney en VO. J'ai écouté les musiques en VO, évidemment. Enfin, évidemment, pas forcément quand j'étais petite, mais plus tard. Mais j'avoue que j'ai jamais eu la curiosité aussi de check, de faire tout un dessin animé qui a une version très quali en français dans une autre langue. Mais ça doit être... En fait, toutes les versions doivent être très quali, c'est ça le truc, c'est que tu dois pas avoir de... Tu dois pas avoir de trucs, ça doit être peut-être plus juste, par exemple, quand tu regardes certains trucs dans la version
dans la version du pays où ça se passe, typiquement la famille Madrigal qui se passe, je crois... je saurais même plus dire. En tout cas, sans, les voix originales, on va dire entre guillemets, du pays, ce serait en espagnol. Je saurais même pas dire où ça se passe. Bah, c'est peut-être plus intéressant de le voir du coup en espagnol. Je sais pas. Peut-être. J'ai eu des cailloux là. Non, allez non. Là regarde. Voilà, punaise. Regarde où je creuse. Regarde bien où je creuse. Ah, là, encore. Il y en a. Ah. Ça, c'en est. Ça, juste à ma droite, c'en est. Et tu vois oui, mais c'est vidéo et manga, c'est lire. La... Ouais, ouais, je sais que manga, c'est. Enfin, je sais très bien ce que ça veut dire. Ce que je veux dire, c'est que le terme animé, bah, c'est comme ça que nous, on a choisi d'appeler ça en français. Mais basiquement, ça veut pas dire grand chose. Parce qu'en fait, un manga est un dessin animé. Et juste, on a voulu distinguer des autres dessins animés. Pour des raisons. Plein de raisons. Mais en soi. En soi, au niveau pur technique, machin, au niveau du média pur, un dessin animé et un animé, c'est la même chose. Au niveau technique, encore une fois, au niveau de la signification, pas au niveau de ce que c'est réellement, mais voilà. Japanimation. Ah oui, ça me semble plus correct, Japanimation. Ouais, j'avoue, là ça me semble plus correct, ouais. Gage. Je dégage du caillasse et tu te rends compte que bah y a énormément, mais genre. Et ça, c'est encore du cuir, ça. J'ai cassé ma première pioche. Ouais, bah oui. Ouais, pour apprendre les nouvelles langues. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être mal, effectivement, d'essayer d'apprendre une langue en regardant un dessin animé que tu connais très bien comme un Disney. En le regardant dans la version de la langue. Ouais, j'avoue, c'est pas con. Japon, ils font même la distinction. J'imagine, mais j'imagine qu'ils ont des termes plus justes, quoi. Ton manga anime, j'entends. Oui, bien sûr. Mais c'est plus qu'en soi, il n'y a pas de raison que nous, on fasse la distinction entre dessin animé et anime. C'est ce que je veux dire. Je... Voilà. Mais Japanimation, du coup, là, pour le coup... Pas mal. Non. Encanto en catalan... Oui, voilà, typiquement. Encanto, après, non, je pense que c'est plutôt en... En espagnol... En espagnol from Mexique. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas du tout les mêmes expressions et tout ça. Mais typiquement, en canto, je pense que, ouais, en espagnol, ça peut être cool. Spy Family, saison 1, épisode 12, VF, est sorti le 19 2023. D'accord, c'est cool, Sébastien, ok, ok. J'ai pu pioche. La deuxième aussi. Ah, comment ça, deuxième? J'en ai pas fait deuxième, moi. T'en as une dans ton inventaire. Ah, merci. Pardon. Mais on aura dû prendre une pioche normale pour piocher la terre. Pardon. Tout à l'heure. On n'a pas. Toi, Seb. Une pioche normale pour piocher la terre. Ah, on peut pas vraiment piocher. Ah d'accord. La terre. J'ai mangé, tu veux que je me soigne avec quoi? Et... Une cartoon spécifiquement pour les dessins animés américains. J'ai l'impression que cartoon, ça va aussi reprendre un certain ton. Genre quelque chose de... Un cartoon. Est-ce que je sais pas... BoJack Horseman par exemple, qui est assez sérieuse dans plein de... Dans ce que ça parle et tout, ça pourrait correspondre au côté cartoon. Je sais pas. Pour on jette de la pierre, puis de trouver, il y en a ici. Là. Vous voyez là, je dégage le truc. Ok. Il y a un gros bordel. C'est comme des espèces de gros champignons, mais enterrés dans le sol. Donc des fois, il y en a un comme peu J-pop plus. Ouais, c'est vrai, c'est comme J-pop K-pop. Oui, en fait, j'avoue, on distingue. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'avoue. Ouais, juste. Mon perso, il est tout mort, je crois.
Non, t'es trop chargé. Ah, je suis trop chargé. T'es trop chargé. Sur le sol. Ah bah je vais virer les cailloux. Oui. Ça va mieux. Ouais, vire les cailloux. Et laisse prendre ton perso, genre normalement le poids, genre ne fais pas E pour prendre les trucs sur le sol. Ah, je prends rien moi sur le sol. Tu peux pas être surchargé de base. Si tu fais E, t'es surchargé. Enfin, si tu les prends volontairement. Ah non, j'ai vraiment rien pris. Hein. Genre, enfin, j'appuie même pas sur eux. Je suis tellement pas concentré. J'ai fini ma deuxième. T'en as plus la Seb ? Il me reste un petit bout, mais si, il faut, je peux pas aller très loin. Ouais, ah, c'est de la pierre, ouais, ça. Ouais, pioche là où je suis. Pioche là où je suis. Là-dedans. Là. Est-ce que la mais on est en train de tout démolir là. Ouais, bah c'est normal. C'est normal. A pu, la deuxième pioche est mourue. Ici, y a plus la deuxième. Moi j'ai encore une pioche, mais bah j'ai pas on de cuivre. Ah si, y en a là. On est le soir. Yes. Il doit pas être du cuivre, ça doit être que de la pierre. Ah bon? Ouais, c'est de la pierre ça. Bah, je vois pas marquer que c'est du cuivre. Bah, c'est vrai, mais ça fait le même bruit que le cuivre. La teste. Non, ça doit être de la pierre, t'as raison. Ben, normalement, tu vois briller un peu le dépôt. Mais je croyais, c'est ressemble. Genre, le tien. D'accord, ouais. Ici, là, quand tu le sélectionnes, toi, ah oui, là, il y a vraiment écrit, ouais. Dépôt de cuivre. Mais arrête. On va explorer un peu. Il est où, c'est? Il est là. Bien joué. On va aller un peu plus bas. Attends, le corba qui veut me parler. Ouais, va bah, alléger votre fardeau. Merci. Je vais faire, hein. Mais merci. Ok, ça c'est notre premier découpeau de cuivre qu'on avait trouvé. Très bizarre. Donc. Le 8 mai, épisode 15 de Vinland en VF est sorti. Ok, faudrait. C'est peut-être le dernier qu'on a vu. Salut Didi Belle. Et on va. Voilà, je range mon agenda. T'as un cri toi bientôt. Et c'est le. Il est prêt. Merci Sébastien. Pas le mien. Hein. Ceux qui sont en scout, il y a l'adaptation live des gouttes de Dieu. Oula, je sais pas du tout ce que c'est. Je connais pas du tout. Bien joué. Bravo. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je glisse. Mettez-vous bien, full live. Là-bas. Ah, je me fais éclater moi. Derrière. On va le gérer. Vous avez des arcs? Vous avez quelque chose? Ouais, j'ai des arcs moi. Oui. Vous avez des flèches, quelques flèches? Ouais, j'ai des flèches moi. Vous voyez le mec là-bas? Vous le voyez pas? Ouais. Le troll. Ok. Je vais. Allez, on y va. Vous faites très gaffe parce que. Bah, il one shot. C'est costaud. Hein. Ok. C'est évité. Ah, évidemment, il fait nuit. Mais ouais, bah on va avoir un pop en plus du troll. Oh, il a un cucu. Je le fais fuck hard pendant que vous tirez dessus. Donc c'est vraiment vous mon DPS. Hein, ouais, mais c'est que là t'es trop derrière les arbres, j'ai du mal. Ah mais débrouillez-vous, je ne joue pas avec ma vie. Je l'embête sur trois arbres là et. J'attends que j'ai ma régène. J'attends d'avoir ma régène. Ah, j'ai les jupes. Il change de cible. Ouais. Il change de cible. Il est parti très loin. Ouais, mais il est pas content. Il est parti sur des mobs? Ouais, je sais pas, il est parti sur. Je sais pas. Ah, si, il est parti tuer des mobs, c'est cool. Non. Ah bon? Il fait pas ça? Il est parti fuir en fait. Oh, il a fouillé! Non, mais par contre, on le lâche pas. Hein. Bah, il est où? Moi, je le vois pas. Hein. Il est plus loin là, il est devant moi. Ok. Il revient. Il a trouvé un. Ah non, c'est un chaman en fait dans son truc. Mais pourquoi les mobs fuient? C'est quoi? Voilà, il est là. Ok, c'est aggro. Oh, bien joué le crit. Il y a beaucoup de dingueries à côté. Je vais essayer de débarrasser de quelques-uns. Ok, on va en moins. Allez, tape devant toi, tape. Okay, j'ai plus d'endu. Je suis mort. Boum. Piquez pas ma stèle, essayez de le finir à l'arrache. Oh, il va être fini, t'inquiète. Dans la flotte après. Et surtout ramasser ce qu'il a.
Let's go. C'est fini. Bien joué. Gérer les chamans parce que ça va piquer. Le chaman il a... Ça risque de piquer un peu. Ah, le chaman. Le chaman il est chaud. Attends, j'ai plus d'endu, je suis obligé de m'écarter un peu. J'ai plus de vie. J'ai 7 de vie. J'en ai 6. Cours. Tu remballes, vous remballez, vous courez. Vous courez vers la maison, tout simplement. Mort. J'ai 5. Ah ouais, mais tu te fais doter par le chaman comme t'es là. C'est ça. Ouais, mais là c'est bon. J'ai plus le dot. Moi, je suis 7. Juste morte. Attendez, je me suis mute. Parle-moi un peu de toi. Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis une streameuse multigaming. Je stream tous les jours. Sauf quelques petites exceptions quand j'ai quelque chose de prévu. Je me suis mise à Genshin récemment. Du coup, il y a souvent du Genshin sur ma chaîne, mais pas du tout que ça. Il y a du jeu indé, il y a du jeu d'horreur, il y a du jeu multi. Il y a du jeu Nintendo PC et parfois aussi des petits streams artistiques. À la tablette, voilà. Et puis voilà, c'est à peu près... Je peux voir tout. Ça m'en résume, je crois. Et vous? Ah, en parlant de Disney+, j'ai vu qu'ils avaient redoublé certains trucs, certaines séries qu'ils ont. Notamment la série Earl. Et c'est catastrophique. Je redaille. Excusez-moi, j'essaie de rechercher mon corps, mais il y a 1000 mobs sur le chemin, donc c'est pas facile, je vais mourir. Ok, je vais essayer de couvrir vous. Tu streames depuis combien de temps? Quels sont tes jeux finis? Oh, mes jeux finis, vous savez vous combien de jeux vous avez fini dans votre vie? Que streames-tu ces temps-ci? T'as créé ta chaîne? Quand? Pour avoir la date d'anniv du live. Ah, je ne sais pas quand j'ai créé ma chaîne du tout. Je ne sais même pas du tout quel âge elle a, parce que mon compte servait à fond juste en tant que spectatrice. Donc je ne sais absolument pas vous dire quand est-ce que j'ai commencé à stream sur ma chaîne, voilà. Mais ça fait des années, ça c'est sûr. Et avant, j'ai stream sur une autre chaîne avec mon frère. On avait une chaîne en commun. Mais lui, il a arrêté le stream. Et du coup, j'ai créé ma chaîne de mon côté. On joue de temps en temps encore, ensemble et tout. Mais voilà, du coup j'ai créé ma chaîne auprès de mon côté. Mais ça fait des années, hein. Je stream depuis super longtemps. Mais voilà. Revision terminée, c'est la Suède qui a gagné. Et ben, bravo la Suède. Bravo, c'est la Suède qui a gagné l'Eurovision. Génial. Voilà. Ça c'est. J'essaie de vous rejoindre pour la cinquième fois. Ouais. Mais quand vous. Enfin, ne faites que courir, ne vous mettez surtout pas à zéro d'énergie. Quand vous êtes dans la base, restez 2 secondes sur le tapis, déjà. Oh, j'ai découvert au moment de la hype Poké Clicker. Oh, c'était trop marrant! Bon, j'y ai joué 10 jours, mais c'était trop marrant. Seb, normalement, il est clean ton truc. Ça va le faire. J'ai fini 5 à 100%. On a fini 5 à 100% des jeux. Punaise. Ah, moi, je ne saurais pas du tout vous dire combien de jeux j'ai fini dans ma vie et à combien. Appuie sur F. Appuie sur F. Ouais. Okay. Mais du coup, vous l'avez pas. Hein. C'est pas grave. Appuie sur F. Pour ta survie. J'aimerais bien vous voir sur la minimap, au moins savoir dans quelle direction aller pour vous rejoindre sur la minimap. Je vais te pinguer sur nous, comme ça tu vas le voir normalement. Ah non, tu le verras que sur la minimap. Ah, je le verrai sur... oui, d'accord, ok. Attends, sur le jeu, quoi. Est-ce que tu le vois là devant? Là, je le vois, mais je crois que je le vois que pendant un temps. Ouais, c'est ça. Bah, va, suis ping.
Ah, je suis, mais je m'en prends plein la gueule, hein. Et en plus, il fait noir et je suis dans la forêt et je vois pas ce que se passe parce que j'ai pas de tort, j'ai rien. Et en plus, j'ai les pieds mouillés. Un peu, ouais. D'accord. Non, mais c'est que je pense que je vais mourir avant de vous rejoindre. Alors. Non. Ah, c'est compliqué là. Bah, je suis suivi par toute une manif là. Donc, tu vas tout droit. Ah oui, je vais. Tu retournes jamais, du coup. Bah, c'est que je peux pas courir en permanent. Allez, viens. Là en bas, direct sur ton truc. J'essaie de lire le chat, mais j'y arrive même pas. Non, c'est par là, c'est derrière, en bas. Descends. Bah, c'est que je vois plusieurs cadavres alors que j'en ai. Il y en a qu'un qui est à moi, alors je comprends pas pourquoi ils sont indiqués sur la carte. Ah, c'est là. Hop là, merci. Hello, tu sais qu'il faut un max éviter de mourir sur ce jeu pour éviter la perte de tes connaissances. Bah, je sais, mais en fait, comme dans la plupart des jeux, quand je meurs, je le fais pas exprès. C'est ça qui est fifou. Donc voilà. Il faut rééquiper vos habits, ne pas vous battre à poil, sinon bah vous allez mourir en fait. Pas si on le tue avant qu'il nous tue. Ok. Sur la map, vous pouvez faire clic droit sur les têtes de mort. Quand vous êtes sur votre map. Ah, c'est en train d'équiper. Vous pouvez faire clic droit sur les têtes de mort pour ne plus avoir vos cadavres. Ah oui, parce que c'est super lourd. Bon bah on va être mouillé, ça veut dire. J'aurais mis jusqu'au bout, je vais vous mettre un buff. Et puis bah on va rentrer gentiment à la maison. Attends, je mangeais parce que... besoin d'une petite réjeune. C'est la sauvegarde du monde en fait. Si c'est dans 30 secondes, ça veut dire que c'est la fin de la nuit. Ok. Et du coup t'as looté le troll? Alors oui, moi, j'ai rien looté moi. Faut que j'ai un truc pas pendu pour filer ce qu'il a dedans. Bon, on fait ça sinon quand on est rentré? Non. D'accord. Je vais le passer maintenant, regarde. Hop, petit trophée, petit go. Hop. Je peux jeter comme ça, là que ça va prendre. Yeah. Trophée qui roule, voilà, c'est pour ça que je voulais dans votre sens. Petit go. Je le rends à qui? Personne, tu peux le garder sur toi. Ok, une tête de troll. Attends, bouge pas. Ah, tiens les pots. Ok, et voilà. Merci là, beaucoup. Vous avez débloqué des crafts. Ouais, on a des nouveaux crafts. Ils vont être précieux. Ah, mais du coup, je suis trop lourde. Je vais jeter mes cailloux. Ah bah. Jette les cailloux. Ouais, jette les cailloux. C'est bon ? Je devrais pas prendre tous les outils et armes sur toi pour, si tu meurs, avoir quelque chose à ton spawn pour retourner sur ton loot tranquille. Ouais, bah on a des trucs à la base après. Mais oui, j'en veux pas. J'avais envie de récupérer vite mon stuff quoi. Un petit peu. On peut pas envie d'utiliser de nouveau des compos pour faire des trucs en double. C'est ça. J'avoue. Mais c'est évidemment, j'ai respawn la nuit. Taper. Ah bah il est bugué, on s'en fout. Il est bugué. Ouais, je pense qu'il est bugué. Si on peut pas le taper, c'est qu'il est bugué et qu'il nous tapera pas non plus. Bah ça, ici, je sais, j'avais vu ça. Que l'autre a tué. On va aller là-dedans, vite fait. Mais tu sors la nuit avec rien du tout. Oui, bah oui, parce que j'apprends encore le jeu. Effectivement. Et j'oublie encore qu'il spawn la nuit, les Cassos, trucs. Cassos, y'a un troll dedans, Cassos. Ah ouais. Sortez. Ah ouais, y'a un troll. Je voulais le voir de mes yeux. Parce que bah moi j'ai l'impression de me faire attaquer tout le temps par les mobs, du coup j'oublie tout le temps que la nuit c'est pire alors qu'en fait quand je me balade j'ai l'impression que c'est pareil. Ici. Mais je sais que c'est pas le cas mais voilà. Alors. Allez, on se balade. T'es une habituée des morts maladroites, c'est pas vrai ça? Il y en a une sur Zelda qui a été clippée quand même, enfin bref. Oui, mais sur Zelda, je suis morte deux fois en live. Mais ça compte pas, c'est Zelda. Mais non, mais c'est surtout que. En haut, il y a des petits trucs à ramasser, prenez-en. C'est surtout que, en fait, tu meurs forcément. Genre, normal quoi. Tu découvres le game en fait. Ouais, non, mais. Tu meurs d'un mob, mais après que tu meurs en essayant d'allumer un feu. Bon. Bah, en fait, de ça, je ne pensais pas qu'une fleur explosait. C'est une fleur de feu, elle devait foutre le feu. Non, elle explose. Bah, c'est plutôt une mort de découverte, pas une mort maladroite. Ça aurait été une mort maladroite si j'avais su que ça allait exploser et que j'aurais quand même fait. Là, ça aurait été maladroit. Et je pouvais pas savoir. Oh là, j'ai besoin de vous là. Parce que bah c'est pas une bombe en fait, donc ça aurait pas dû exploser. Alors, je vais en prendre un chardon.
tout ça. Il y a des baies dans la... Il y a des myrtilles, vous pouvez les choper aussi. Non, ça me saoule. Les petits chardons et tout ça. Qu'est-ce qui te saoule? De looter des baies. Cabane. T'as pris ce qu'il y avait dedans? Y'a pas de coffre. Ah bon, y'a même pas de petit coffre là? Non, bah, non, j'ai regardé ça. Voir dans la ruine là, fait chier. Bah là, c'est pour ça ruine. Que je suis rentré, mais... Là, mais c'est... Y'a même plus... Y'a à peine un bout de mur, quoi. Ça m'étonne pas qu'il y ait rien dedans. Ça va, franchement, ça va. Un top de mes œuvres télévisuelles. Télévisuelles. Télévisuel, donc ça veut dire plutôt série et dessin animé, pas cinématographique. Difficile. Oh. J'ai trouvé un truc incroyable. Ouais. Il y a des graines de carottes. Ouais. Vous la ah ouais, il y en a là-bas. Ouais, bah prenez-en. Hop là, j'ai des trucs blancs. Tiens, si t'arrives à le voir. Ah. Regarde en face, là, il y a une stèle rouge en face. Je sais très bien ce que c'est. Tiens, je te file la graine de carotte. Je l'ai foutu. Ah bah c'est toi qui l'as ramassé d'ailleurs, c'est ça. Mm-hmm. Non, c'est pas moi qui l'ai, la graine de carotte. Mais du coup, on parle plutôt de séries et des dessins animés, en gros, c'est ça? Chut. Ah, mais je sais qui l'a maintenant, du coup. Pas grave. Bah j'allais te la rendre. C'est à la maison. Il y a des merdiques. Tac, ça doit être celle-là, j'imagine. Là-bas, il y a une graine de carotte. De toute façon, on les reconnaît, c'est des fleurs blanches. Ouais, c'est ça, c'est des fleurs blanches. Il y a de la myrtille. Des bisous, Moglobin Dark. Très bonne nuit. On reste groupir. Groupir. Allez hop. Ok. C'est dur de réfléchir, en fait, je pourrais vous en parler, mais c'est pas le moment. Oh merde. Sinon, je suis obligé de m'isoler, en fait, et... C'est bon. À l'origine. Bah ça va, ça, on a rien à manquer du tout, donc c'est bon. Et tu peux... Il peut pas se bagarrer avec les autres mobs, cet enfoiré. Vous avez de quoi... Bon. Bah, qu'est-ce que c'est? SOS? Ouais, on va un peu plus haut. Pas maintenant. Elle a pas écouté. Ouais, bah elle va tuer, elle va mourir. Mais non, faudrait juste que vous m'aidiez avec les autres mobs. Il prend cher en fait. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous voulez pas m'aider avec les autres mobs du coup, donc je reste toute seule alors. Ok. Bon, bah je me mets loin du troll. Bah là, on est super giga loin en fait. Moi, je voulais faire le troll. Il prenait cher, hein. Deux secondes. Oh l'endu, okay. Quel enfer dans ce jeu. Bah prenez bien vos buffs bouffes, laissez-les pas fade à 2 minutes, parce que sinon bah vous avez plus d'endu et de vinax. 10 minutes, 14 minutes, je pense que ça va. Ok. Ici, vous voyez ce qu'il y a là, au milieu là? On va essayer de prendre et ce du qu'il violet. Y a au milieu et de tuer les trucs, parce que ça va repop à l'infini. Ah putain, il y a le troll qui arrive. Ok. Et comment on prend ce qu'il y a au milieu? Ah, le troll il aime pas les autres, c'est parfait. Comment on prend ce qu'il y a au milieu? Bah il faut le taper. Attends, j'attends que le troll il... Barre-toi, loin. Ah parfait, il l'a tué. Il a tué le bordel du milieu. Oh bah nickel. Prenez pas l'aggro du troll. Je vais essayer de pécho. Ah c'est bon, j'ai eu la graine des anciens. Qu'est-ce qu'il y avait au milieu? On va un peu plus loin, hein, les gens. Remballez vos armes et c'est parti. Hein. R pour remballer les armes. Ouais, mais quand tu remballes ton arme, il s'arrête. Bah, j'ai pas suivi de très. Bien. On va remonter, hein. Je glisse. Non, ça va. Allez, on va tout droit, comme des grands. Les œuvres que vous citez, mais j'en connais aucune, Kirito, dans ce que t'as dit. Et bah on va la noter celle-là aussi. Tout, série, film, dessin animé, japanime, série, YouTube. Ah non, il y a trop. Ah, là, Yoshi, faudrait faire un live entier pour en parler. Ouais, non, attendez. Allez dedans.
et on sort au cas où s'il y a un troll. Ne bougez pas si vous êtes dedans. Faites-vous discret. Avec, j'en parlerai avec plaisir, mais sur un live solo. Ouais, il y en a un dedans. Il nous a pas vu encore. Pour qu'on en discute. Ah, et que vous m'en parliez aussi, ça me ferait, ça m'intéresserait beaucoup. Non, ça va, il nous a pas vu encore. Est-ce qu'on peut se faire le troll dedans? Non, je peux. On va aller gentiment dehors. Vous sortez, vous allez direct sur la gauche. C'est parti. Donc on sort en attirant les mobs, ouais. C'est ça? Ouais. On sort, on va direct sur la gauche. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Oh, j'ai glissé. S'il n'y a pas le troll, on peut les tuer. Et s'il y a le troll, c'est un peu plus dur. Merci pour le follow, JLVT. Ah oui, que c'est au ça. Point 7. J'avais pas dit à haute voix. Ok, très bien. Bon, les deux mobs sont morts. Où est le troll? Ah bah, il les suivait pas, hein. Il est bien resté derrière. Si. Et je pense qu'il a reset. Il est bien loin, je pense. Il était derrière nous. Donc de très loin. Oh, des champis rouges. Ouais, je les prends. Vas-y, prends-les. Je les ai pris. Je vais noter bagarre ici. Bagarre. Et il repop. Troll. Je crois qu'on en tue un. Ouais. Oui, c'est. Il y en a plusieurs. Alors, dans les grottes, je pense pas, normalement. Mais à l'extérieur, des fois, il y en a qui reviennent. Par contre, il faut qu'on s'enfonce encore un peu dans la forêt. Elle est très vallonnée, cette forêt. C'est très, très. Dur. Parfaitement dit, ok. C'est chiant, ça. Ah, c'est chiant. C'est chiant? Quoi, c'est chiant? Des graines de carottes. Oh, ouais! Ouais! Du coup, on peut faire des cultures, est-ce qu'on peut faire aussi de l'élevage? Oui. Oh, cool. Oui. Moi, je veux du canard. Oui. Et quand je te dirais, c'est beau, là, les couleurs. On peut faire comme élevage. Ouais, c'est bon, ça s'est calmé. Je veux pas de l'élevage de nains gris, hein. Moi, je veux pas les sixièmes. Hein. Non. Ça, c'est les mobs comme ça. Ok. Ça va être rigolo. Il y a un truc. Attends, à droite, je l'ai vu, l'autre. Hein. Bah, jette-moi des caillasses, là. Il y a manif pour tout. Ça suffit maintenant. Il y a un autre truc violet. Oui, justement. Oui, on va le faire normalement sans troll quand si même. Possible. C'était la manif pour tous, mais pour enlever des droits à des gens. Donc pas trop pour tous quand même. Allez, on le tue. J'ai pris la mauvaise arme. Oh, bien joué, il tressaille. Hop. Attention, c'est le même. On peut pas parer. Si, c'est clic droit. Oh putain, je savais pas. Si tu fais. Tu pars très mal avec un arc. Hein, ah oui, d'accord. Bah là, je viens de sortir l'arc parce que j'avais pas à parer. Alors, tu as le bouclier qui part un peu mieux et bloque une certaine quantité. Oh, attention, la brute, ça fait mal. Ouais, je vais faire un arc. Prenez un seul coup, hein. Pas un seul, hein. C'est officiel, bien joué. C'est Lox la meilleure. T'as vu un poste de roulade? Bam, c'est bon, je l'ai tessaillé. Bing, moi aussi j'ai tessaillé. Ah, j'ai plus d'enduit. Ok. Il a bloqué 18. Ça. Ouais, j'ai augmenté ma compétence blocage de 1. GG. Ok, ça c'est bien. Y'a un petit derrière. Ça, là tu l'as pris celui-là par contre, l'entièrement. Entièreté, Seb, donc faut faire gaffe. Barre-toi, loin. Il est quasiment. Bien joué, le gros est mort. Le petit chute dessus. T'as tiré dedans, ça l'a tessaillé. Nice. Ok. Banger les arcs quand même, hein. Okay. J'ai pris les compos des os. Non, c'est pas grave. Dans 4 secondes, on va pouvoir régénérer parce que là on est humide. Mais on va pouvoir régénérer dans 4 secondes, voilà. J'ai 10 de vie par contre. Ah, j'ai plus mon arme, fait chier. Ah ouais, moi j'ai bientôt plus d'arc aussi. Ok. Je vais Vous avez de quoi de taper au corps à corps ou pas du tout? Ouais, complètement. Oui, encore un peu. Vous avez combien de vie? Moi je suis très bien, j'ai 80. D'accord, ok. Tu veux 34. Courir autour, les attirer pendant qu'on tape le milieu et ça qu'on marche. Prenne vite fait. Attends, celui-là faut que je prenne aussi. Attention, il y en a un qui est un peu vénère. Il est en mode J'essaie de les taper mais. Tapez le milieu si vous y avez accès, vite fait. Et sinon barre-toi Mac. Non, faut pas que tu te fasses taper du tout. Je vais tenter. Le nid là. Yes. Attention. Je pense que je l'ai eu. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Bon bah cassos. Hein, on se casse. Let's go. Ouais, ça rengaine les armes et c'est parti. Quelqu'un a un buff? Dans 4 minutes. Et Seb? Dans 12. Ok, d'accord. Bon bah on court. Hop.
Dark, c'est la meilleure chose sur ce jeu, mais c'est fou, ouais. C'est logique en même temps, mais c'est trop cool. De quoi qui est le... Les arcs. Alors c'est vraiment... tu peux pas t'en passer, quoi. Là, j'en ai pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'en as pas, mais on en a, donc ça va. J'ai l'impression que ouais, c'est assez essentiel d'avoir une compo avec au moins un archer, quoi. Ouais. Ok, en face, je pense qu'on peut le gérer. Ouais, on va le gérer, celui-là. En face, il y en a 4 ouais. qui nous courent derrière. Ah oui. Ok. On avance. J'avance, ok. Oh, vas-y. Vous retournez pas, surtout si vous êtes le live. Oui, c'est bien de courir, hein. Ouais, c'est bien. Le rôle 34 Valheim tout... existe bien, j'en suis sûr. Ah, ici. Vous voyez les gens ici, là? Ce qu'il y a, là? Ça, là. Un filon d'éteint. Ouais. Un petit dépôt. Mais on est suivi? Vous mettez un point? Vas-y. Bah, puis de toute façon, toutes nos pioches sont cassées. Ouais, c'est vrai. Sur le rebord des forêts noires, enfin sur les bords entre la mer et la forêt noire, vous allez tout le temps avoir. Ah, question pop culture, j'avais pas vu, je vais faire ça. Vous allez tout le temps avoir de l'étang. Je vais vous donner la question pop culture. Pour ceux qui savent pas, quand vous prenez une question pop culture, je la lis. Je vais vous essayer de répondre. Voilà. C'est pas un truc, hein, c'est pas un bot ou quoi que ce soit, parce que souvent on m'a dit ah, mais ça marche pas. J'ai dit oh, deux secondes, je vais lire. Dans le caca là. Vas-y. Fonce, va tout droit. Ah là, je glisse. Y'a pas de soucis. T'inquiète, je suis en bas. Ouais, mais je vais récupérer la grotte des mobs là. C'est bon, je vous ai passé de bon. Non, c'est pas automatique. C'est gros. T'as un raccourci. Ta vie baisse est tendue aussi. Oh, d'accord. Quand ça clignote, ok. En revenir sur la peine, ils vont moins faire les malinos. Les prix de cuivre, monstrueux. Yes, j'ai largement le temps de le mettre. Hop. Oui. Cuivre. Oh là là, punaise, mais l'aggro sur ce jeu. Ouais, mais je vais. Oh, ok. J'ai pas une arme conséquente et ma pioche est morte. Une fois à la maison, on va leur. Péter la chebou, hein. Péter la chetron. On arrive à la maison? Non, allez-y. Je vais les. Ah, mais moi je sais pas où c'est, hein. C'est pour ça que je demande. Je vais les détourner. Là, je vais en YOLO. Ah bah, je vais suivre ma cabane. Je fais du détournement de dinguerie. Oh là! Faut bifurquer un poil. Ouais, je m'en doutais. Parce que là, on était dans du pas exploré. Oui, tout à fait. Tout va bien. Game Sum, quand dans la journée? Quand c'est la nuit? Il y a l'onglet programme en dessous de mon stream. Vous pouvez voir mes horaires et ce que je fais. Je le mets à jour en début de semaine ou le dimanche. Pour la semaine suivante. Salut, Pélofi. Une cabane. Est-ce qu'il y a un coffre? Il y a un coffre. Est-ce que c'est la mienne? J'ai pas suivi, vous parlez de quelle communauté, Vicky et Nelizac? Parce que bon, il se passe beaucoup de choses sur le jeu, alors j'ai un peu du mal à suivre toutes les comptes. Puisque j'ai tout volé. Ah! Un enclos! JL? C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Job life, job life, en gros. Les chômeurs? Oh, il est tout bugué. Quel Tommy? Ah, d'accord! Regarde! Ah ouais, non, j'aurai pas la règle. Merci, merci beaucoup. Oui, la question, ce sera quand j'aurai fini de fuir et quand je serai dans la maison. Normalement, vous en avez plus sur vous, il me semble.
Je connais pas Yatomi, il a pété les records de sub ce bâton il y a pas longtemps. Bah j'avoue que les records de sub ce bâton ça m'intéresse zéro. Et que j'ai jamais regardé, je connais juste le pseudo Yatomi. J'ai essayé un peu de regarder un tout petit moment, c'est pas du tout mon délire, mais voilà, je respecte tout à fait. Pas du tout mon délire. Donc voilà. C'est Lox la meilleure. Donc j'avoue que son nombre de subs, bah tant mieux pour lui quoi, je sais pas tout ce que je peux dire, mais c'est pas ça qui va faire que je regarde quelqu'un ou pas. Hop là, on est enfin arrivé. Alors, question pop culture, qu'est-ce qu'on a là? On a une question jeu vidéo. Oh ça on le savait. Oh non, elle a... Please, quel animal représente Sonic? La ferme quoi. Question pourrie. Alors. Bon bah dans notre fuite, j'ai récolté une autre ruche. Est-ce que ça c'est votre délire? Bon on va voir. J'ai attrapé de l'ambre. Quel personnage... Attendez, on va en lire deux vu que j'ai eu du retard. Ça je connais pas du tout. C'est des questions de Genius, donc elles sont censées être compliquées. Quelle couleur n'apparaît jamais sur le plastron de Dark Vador? Le rouge, le bleu, le jaune ou le vert? Ça fait un peu de bruit dans le Twitch français. Bah écoute, pas sur les streams que je regarde apparemment. Mais je suis aussi pas beaucoup sur Twitter, surtout depuis que il y a eu des leaks sur, sur Tears of the Kingdom, j'ai complètement exclu aussi Twitter pendant environ deux semaines, donc il y avait ça aussi. Parce que bah la seule fois où j'y suis allée, je me suis fait spoil, putain. Dégoûté quoi. Vert. Non. C'est pas la couleur verte. Le jaune, non. Ouais, GG Vichy. Ah, attendez, je vais dire pour les coffres de rangement. Excusez-moi, j'étais mute. Une personne dit sur le chat, waouh, mais vos rangements de coffres sont incroyables. Voilà, c'est Royal qui s'en occupe, qui s'est occupé de tout ça. Coucou, Kring. Donc, voilà. Sachez que... Il est comme ça dans tous les jeux. On doit faire des rangements. Les coffres bien rangés, c'est important. Il est psychorigide. Il est psychorigide. Il a fait toute la maison aussi. Voilà. Ici, ça construit des baraques, tout à fait. GG, c'est super propre, grave. Donc oui, tout à fait, c'est le jaune qui n'apparaît jamais sur le plastron de Dark Vador. Autre question de Genius. Attendez, je vais mute. Quel personnage est peint sur le portrait qui garde l'entrée de la salle commune de Gryffondor dans Harry Potter? Ça, je le sais, et pourtant... Ok. Je vais ranger du coup. Faut que je jette. Excuse-moi, j'étais mute. Si t'as pas envie de ranger terre. Hop, là, voilà, c'est bon. Je la mets dans les graines. Ouais, tu mets ça dans les... Alors dans attends, les... je mets le cuivre déjà. Mets dans merdier. Je mets tout dans... Ok. Je mets aussi la tête de troll. Bah ça c'est dans trophée. Dans trophée, la ok. Tête de troll, si tu veux. J'ai des os. Là tu regardes un peu les coffres, hein, si tu veux. Regarde un peu ce qu'il y a. Et peau de vas, troll, ce sera dans le cuir aussi. Ouais, cuir et peau, ok. Bah dans peau de troll, dans... Ah, c'est pour savoir, parce que parfois ça peut être des compos pour d'autres trucs que des trucs qui nécessitent. Non, les bouts de cuir c'est cuir, les peaux c'est peau. Putain, du coup on fait de la fumée, c'est chiant, je vois mal les coffres. Les minerais, c'est minerais. Oeil. Le j'ai des bois yeux. C'est bois. Ferme. La pierre. C'est quoi ça comme truc? Je sais même pas, je mets ma souris dessus, ça fait rien. Bon, bah je sais pas. Tu mets pas ta souris dessus, non? C'est éclairé, tu vois, non? Non, mais en fait, il y a un truc dans mon inventaire, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, bah, je voulais savoir dans quoi le ranger. Je mets ma souris dessus, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Du coup, bon, bah. Quoi? Bah, c'est un truc triangle. Ah, ça y est, graine ancienne, voilà. Ça voulait pas. Bah, je vais mettre ça dans graine, du coup. Hop, hop. Ça, c'est quoi? Des myrtilles, ok. Les trophées sont là-haut. Ah mais le cuivre, j'avais pas tout mis. Donc je le mets dans un truc merdier, parce qu'en fait il y a full cuivre dedans. Et on a un truc plante, ouais. Non, résine. En bas à gauche, en bas à gauche. En bas à gauche. Ah oui, là. Hop. Et ça? Ah, c'est un trophée de nain gris! Bah, j'avais pas vu que c'était un trophée. Je
tu augmentes tes stats. Compétence roulade. Il n'y a pas de compétence roulade qui raconte lui. Ouais, c'est la grosse dame exactement. Le nom du qui apparaît sur le trophée de l'entrée du truc de Gryffondor. Et également tenu ce poste. Ok, ouais, bon. Après, il y a d'autres trucs à préciser, machin. Tu fasses dodo. Ouais. C'est déjà beaucoup trop tard. Ah, c'est vrai que je suis d'après-midi la semaine prochaine. On va faire dodo, ça. Ouais, t'inquiète, de toute façon, on fera pas de boss tant que t'es pas là, donc. Donc t'inquiète. On en est un peu loin de faire le deuxième boss. Bah voilà. Par contre, va falloir explorer. Forêt noire. Ok. Que vous avez pas vu. Et donc. Vous gentiment explorer toutes les forêts noires. Il y a deux compos que vous devez découvrir encore. Graine ancienne. Bah ouais, ça voulait pas s'afficher que c'était la graine ancienne. Bah, et oui, c'est la grosse dame, le seul nom qu'on a apparemment pour le personnage. Moi. On va s'arrêter là pour moi. Eh bah, des bisous. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Et puis, de toute façon, on se retrouve. Je pense demain, on va refaire. Voilà quoi. Bon, bah, oui. Ça, il y a des chances que je revienne dessus demain. Ça marche. Mmh. Eh ben, cool. Et puis, de toute façon, le serveur est on. Donc, ça qui j'en profite pour arrêter la VOD ici, je pense que là on va faire exploser, truc comme ça va être moins marrant. Enfin en tout cas ça va être moins intéressant sur le moment. Ah bah l'explo. L'explo après c'est sympa mais je sais pas si on va faire ça ou si on va faire du farming ou je ne sais quoi. On verra, je relancerai une si on arrive dans des zones cool. Des bisous VOD.